Le Québec a droit à deux réalités complètement opposées au courant des prochains jours, là, avec la chaleur historique sur le sud du Québec pour un mois de novembre, jusqu'à 16 degrés au-dessus des normales de saison, pendant que la pointe nord du Québec aura droit à des températures plusieurs degrés sous les normales de saison. Ça s'explique tout ça par, oui, une remontée de chaleur du sud américain là, qui affecte la moitié sud du Québec avec plusieurs records possibles là, au courant des prochains jours. Par contre, le froid qui a affecté l'Arctique et l'Ouest canadien va aussi glisser sur le nord du Québec au courant des prochains jours. Et donc, ce sera vraiment hivernal là, de ce côté, là, des ressentis jusqu'à moins 20 sur la pointe nord du Québec, pendant que sur le sud, on aura droit jusqu'à 25 pour la journée de samedi. C'est pas que les températures qui seront hivernales, on parle aussi de neige. Vendredi, une quinzaine de centimètres sont attendus sur les côtes de la baie d'Ongava et à nouveau dimanche, un 10 à 15 centimètres appliquent sur la région. C'est vraiment l'hiver dans le nord.